Entre Nive et Adour, à quelques kilomètres de l'océan Atlantique, porte d'entrée du Pays Basque et de la Gascogne, le site de Bayonne se développe dès l'époque romaine. Son ancien nom est Lapurdum, le nom du camp romain qui se tenait sur l'emplacement de la cathédrale Sainte-Marie. Il s'agissait apparemment d'une installation assez importante, avec de nombreux ouvrages défensifs et peut-être civils. Il reste aujourd'hui deux tours romaines visibles, la tour des Augustins et la tour des Deux Sœurs. Lapurdum donnera ensuite son nom à la vicomté du Labourd, fondée par le roi de Navarre Sanche le Grand entre 1021 et 1023 et dont Bayonne est la capitale. C'est en 1098 qu'apparut le nom de Bayonne sous ses diverses formes latines. Ce nom se substitua définitivement à celui de Lapurdum à la fin du XIIe siècle. Par son emplacement sur la route de l'Espagne, à la confluence de l'Adour et de la Nive, Bayonne est une ville qui a toujours eu une importance stratégique. Sa devise est « Nuncam Polluta », jamais souillée, en référence aux nombreuses tentatives infructueuses de prise de la ville avec pas moins de 14 sièges. Au fil des siècles, les ouvrages continuèrent à être améliorés. Mais c'est le marquis de Vauban, envoyé à Bayonne par Louis XIV, qui est crédité des plus grands travaux de fortification de la ville. La ville historique se divise en trois quartiers. Le Grand Bayonne, sur la rive gauche de l'Adour, le Petit Bayonne, entre Nive et Adour, et Saint-Esprit, sur la rive droite de l'Adour. Au cœur de la ville haute, s'est levée au XIIe siècle une cathédrale romane primitive, qui fut détruite par deux incendies successifs en 1258 et 1310. L'édifice actuel s'élève sur l'emplacement de l'ancien sanctuaire. La cathédrale Sainte-Marie ou Notre-Dame ne sera achevée qu'au XIXe siècle, avec l'édification de deux flèches de 42 mètres de hauteur. Financées grâce aux legs de Jacques Lormand, elles sont l'œuvre de Émile Beuzewilwald. Attenant à la cathédrale, le cloître est édifié entre le XIIIe et XIVe siècle. La galerie de style gothique flamboyant est percée d'arceaux ornés de fleurs. Les corporations marchandes de la ville se servaient du cloître comme lieu de réunion. Celui-ci faisait également fonction de cimetière. La rue située derrière la cathédrale prolonge la place du Pilori vers le sud. Appelée aujourd'hui rue d'Espagne, elle a changé plusieurs fois de nom au cours des siècles. À l'origine, c'était la rue Mayou, la rue principale de Bayonne. Mais on l'a appelée aussi la rue des Tendes, car de nombreuses boutiques aux devantures de toile s'adossaient tout au long de la maison capitulaire et de la muraille du cloître. L'étroitesse de son axe est dû au manque de place à l'intérieur de l'enceinte. La porte d'Espagne, construite à la fin du XVIIe siècle, permet aux voyageurs venant d'Outre-Bidassoa, de Saint-Jean-de-Luz ou de Biarritz, d'accéder à la ville et au centre via la rue d'Espagne. Le rempart Lachepaillé est construit sur les combles du fossé creusé au Moyen-Âge. À l'angle nord-ouest de l'ancien castrum romain, dominant l'Adour, le château vieux est construit en XIe siècle par les vicomtes du Labourd.
le château vieux fut le siège du gouvernement représentant le roi d'Angleterre de 1154 à 1451. Ce fut aussi la prison de Du Guesclin, capturé par le prince noir en 1367. Le pont du Génie, ou pont Courtine, a remplacé l'ancienne estacade, qui barrait l'entrée de la Nive. Le quai des Basques est dressé au début du XVIIIe siècle, entre les ponts du Génie et Panecaud. Il sera rebaptisé par la suite du patronyme de l'amiral Jaurégui Berry, né rue Mayou en 1815. À proximité des ponts du Génie, Mayou, Marengo et Panecaud, les berges sont aménagées en gradins. Ces différents niveaux en escalier permettent ainsi le transbordement des marchandises quelle que soit la marée. Les quais à gradins disparaîtront en 1920 afin de faciliter la circulation des automobiles. Le 31 août 1859, le conseil municipal décide la construction de nouvelles halles sur les quais de la Nive. Le chantier s'étire entre 1860 et 1866. L'architecture de l'édifice à deux pavillons s'inspire des halles Baltard de Paris. Le chantier, qui nécessite un budget de 170 000 francs à l'époque, nécessite l'assainissement des berges et la destruction de 26 maisons. Suite à une tempête de neige, la toiture s'effondre en 1945. L'édifice est alors rasé et remplacé en 1963 par une halle moderne, qui fait également office de parking. Ce bâtiment est à son tour détruit pour laisser la place en 1994 aux halles actuelles. Le pont Panecaud ou Bertacaud est le plus vieux pont de Bayonne. Il fut construit durant la période de domination anglaise, vraisemblablement au XIIe siècle. Plus petit que le pont Mayou, il est aussi en bois jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le pont Marengo enjambe la Nive depuis 1857. Son nom célèbre la victoire italienne de Napoléon face aux Autrichiens en 1800. Le dernier ouvrage sur la Nive avant la confluence avec la Dour est le pont Mayou. Napoléon Ier, lors de son passage en 1808 dans la cité, décide la reconstruction du pont en charpente, reposant sur deux culées en maçonnerie. Victime des crues de la Nive, il sera remplacé par un ouvrage en pierre en 1857. Il est élargi en 1914. Érigé au confluent de la Nive et de la Dour, l'hôtel de ville sur la place de la Liberté est, par ses dimensions et sa visibilité, l'un des bâtiments les plus remarquables de Bayonne. En 1832, le colonel Vinceau, chef du génie et directeur des fortifications à Bayonne, propose la construction d'un seul édifice, réunissant le théâtre, les services de la mairie et la douane. La première pierre est posée le 1er mai 1837. Le 16 janvier 1842, la nouvelle salle de spectacle est inaugurée. En 1889, l'hôtel de ville est la proie d'un incendie. C'est surtout la bibliothèque qui est touchée, puisque les trois quarts des collections sont brûlées. L'édifice est restauré et doté en 1891 de six statues allégoriques qui ornent son sommet. Elles évoquent la navigation, l'industrie, les arts, le commerce, l'astronomie et l'agriculture. En 1891, la place d'armes est dotée d'un kiosque à musique. En 1908, parallèlement à l'aménagement du jardin public, la destruction des fortifications permet l'ouverture d'un nouveau boulevard pour accéder au centre-ville par l'ouest. On lui donne le nom du peintre Léon Bonnat, né à Bayonne en 1833. «
traversons la rue Bernède avant d'emprunter la rue Portneuf. Au Moyen-Âge, cette rue était un bras de la Nive qui montait jusqu'au pied des fortifications. Les maisons sont bâties sur pilotis. Les arcades abritaient des boutiques et des entrepôts. Le caractère marchand de la rue se perpétue après le comblement du port au XVIIe siècle. La rue Thiers est l'une des principales voies commerçantes du Grand Bayonne. Les rez-de-chaussée des immeubles sont occupés essentiellement par des commerces, tels que le grand magasin aux Dames de France. Le port de Bayonne est situé tout d'abord à la jonction de la Nive et de la Dour, une zone appelée la Grand Mât. L'activité portuaire se répartit ensuite sur les deux berges de la Dour. Sa réputation réside notamment dans la qualité de ses chantiers navals, mais également dans ses infrastructures. La Dour joue un important rôle nourricier au cours des siècles. Jusqu'au début du XXe siècle, des centaines d'embarcations, comme les galupes ou gabarres à fond plat, sillonnaient la Dour et ses affluents, avec leur chargement de brais pour le calfatage des bateaux, l'armagnac, le sel de salis ou la pierre de bidache. Ces bateaux naviguaient à l'aide des courants, du halage, la chirgue et du vent. Les galupes déchargées à Bayonne repartaient vers l'amont en acheminant des produits manufacturés et des denrées alimentaires. Longtemps, le port de Bayonne a été le débouché de marchandises venues de Saint-Sever et d'Aix. Ce trafic fluvial décline avec l'arrivée du chemin de fer. Sur le port, 500 000 tonnes de marchandises sont transbordées, un nombre qui passe à 1 million de tonnes en 1914. Bayonne importe du blé, du guano, du minerai de Bilbao et du charbon anglais et gallois, nécessaire notamment pour le fonctionnement des forges de la Dour à Boucau. La Sauveté, établie au XIIe siècle par le vicomte du Labour sur les basses terres marécageuses, est tout d'abord connue sous le nom de Bourgneuf, avant de prendre le sobriquet de Petit Bayonne. La place Saint-André est dominée par la colline de Moukourou, où le roi Charles VII fit commencer en 1460 la construction de la forteresse appelée Châteauneuf. L'édification fut poursuivie par Louis XI et achevée par Charles VIII en 1498. La construction de l'église Saint-André entre 1856 et 1869 est notamment réalisée grâce aux legs de Jacques Lormand. L'édifice s'inspire du style gothique du XIIIe siècle. Elle est à l'origine pourvue de flèches. Cependant, les terrains marécageux sur lesquels elle a été édifiée ne peuvent supporter sa lourde masse. Menacée d'effondrement, l'église est délestée de ses deux flèches en 1901, ce qui suffit à la stabiliser. Au nord, la ville et le port sont longtemps restés sous la protection de la tour Saint-Esprit, construite au XIIe siècle. L'apparition de l'artillerie provoque son remaniement et l'aménagement au XVIe siècle d'une terrasse où sont installées plusieurs casemates. Le réduit est profondément réaménagé par Vauban, qui le bastionne et y installe la caserne de Barbanègre. En venant de Saint-Esprit, l'accès à la ville est commandé par la monumentale Porte de France.
L'histoire du pont Saint-Esprit qui relie Bayonne au faubourg Saint-Esprit en franchissant la Dour est plutôt tumultueuse, tant du fait du caractère impétueux du fleuve que du caractère stratégique de son emplacement, sur l'une des rares routes reliant la France à l'Espagne. Le pont Saint-Esprit fut construit pour la première fois vers 1150. Il était en bois et portait le nom de Pont de la Grande Mare. Le pont actuel, qui devait être appelé pont de Nemours, fut commencé en 1846 et achevé en 1849. Il est composé de 7 arches et mesure 200 mètres de long. Il fut élargi en 1910 pour permettre le passage du tramway. Saint-Esprit s'est développé autour de la collégiale de Louis XI. Les premiers occupants du quartier furent les moines de l'ordre hospitalier du Saint-Esprit qui ouvrirent un hospice sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, d'où le nom du quartier. C'est aussi sur la rive droite de la Dour que s'installèrent les juifs séfarades portugais et espagnols qui fuyaient l'Inquisition au XVIe siècle. En février 1790, le Bazadour devenant la ligne de séparation entre les départements des Landes et des Basses-Pyrénées, le bourg de Saint-Esprit, l'Est Bayonne, devenait une commune du district de Dax. La Révolution rebaptisa très temporairement la nouvelle commune Jean-Jacques Rousseau, dénomination plus conforme à l'esprit révolutionnaire. La commune de Saint-Esprit fut donc landaise de 1790 à 1857, date à laquelle Napoléon III signa le décret de rattachement à la ville de Bayonne, suite à la construction de la gare du Midi. Ainsi, prenait fin à une anomalie administrative qui durait depuis un demi-siècle. À l'aube du XXe siècle, Bayonne compte près de 28 000 habitants. Les militaires représentent 6% de la population. À l'intérieur des remparts qui s'étendent sur 42 hectares, on comptabilise 20 000 habitants. Ce véritable étranglement, comme on peut le voir notamment à l'intérieur du réduit, explique les demandes régulières de la ville de déclassement des murailles. Cela est accordé finalement par le ministère de la Guerre en 1897 et confirmé par la présidence de la République que 10 ans plus tard. Bayonne est supprimée de la liste des places militaires, à l'exception de la citadelle. Ce sont plus de 70 hectares qui échouent progressivement à la ville, qui entame une série d'aménagements comme le terrassement de la place du Réduit. Le déclassement permet l'accroissement de l'aire urbaine. Les constructions se multiplient autour des allées Paulmy, où s'élèvent bientôt de luxueuses villas, dans le quartier des Arènes et dans celui de Marac. En 1873, Étienne Ardouin, ancien gouverneur du domaine impérial de Biarritz, demande une concession pour un chemin de fer de Bayonne à Biarritz. Le décret d'utilité publique est signé en 1875 par le maréchal MacMahon. Les travaux commencent aussitôt et le chemin de fer est inauguré le 10 juin 1877. La gare est établie sur des terrains achetés à un particulier près de la place d'Armes, sur les allées Paulmy, à proximité du cinéma de la Feria.
Devant le succès du BAB, un autre projet de liaison surnommé BLB pour Bayonne, lycée de Marac, Biarritz, est établi. Le terminus est situé sur la place d'Armes. Présenté par le financier belge Édouard Ampère, le projet est adopté par un décret d'utilité publique de 1885. Après le BAB et le BLB, en 1902 est émis un avis favorable à l'établissement d'un nouveau tramway entre Bayonne et Hendaye, en passant par la côte. À partir de 1933, le bilan devient déficitaire à cause de la concurrence des autocars, de la crise économique et du développement de l'automobile. Toute activité cessera le 1er novembre 1935. Quittons la gare du tramway de Paulmy pour suivre les allées marines et la Dour en direction des quartiers de Blanc-Pignon et de la Barre sur la commune de Langlette. Mai Pignada Permeida, la mer et la forêt de pin pour m'aider. La devise d'Anglette reflète parfaitement la personnalité de la ville, point de rencontre entre la forêt et l'océan. La ville est signalée pour la première fois comme paroisse en 1050. À cette époque, la ville s'apparentait à un vaste territoire parsemé de lacs, mares, barthes et de pignada. L'activité de la commune, peuplée de métayers, de vignerons, de bouviers, de laboureurs, de meuniers et de forestiers, était alors essentiellement agricole. Par ailleurs, la récolte de résine provenant des pins occupait une place importante dans l'économie locale. C'est sous le Second Empire que le pignada connut son véritable essor. À cette époque, les bains de mer recommandés par la faculté pour leur vertu thérapeutique provoquèrent un engouement sans précédent dans la bonne société. L'impératrice Eugénie se rendit à Biarritz, puis à Anglette. Dans son sillage, les gens du monde succombèrent avec enthousiasme à l'attrait de la forêt et à son bon air, réputé souverain dans le traitement de la phtisie, le mal du siècle. La forêt constituait le plus beau sanatorium qui puisse exister. C'est alors que naquit la vocation touristique de la ville. La clientèle mondaine de Biarritz se retrouvait lors de chasses à courre à Chiberta, ou à partir de 1870 à l'hippodrome près de l'embouchure de la Dour. En 1900, est inauguré un champ de tir à Montbrun. Et en 1912, en bord d'océan, l'aérodrome de la Chambre d'Amour voit le jour. À bord de leur drôle de machine, d'audacieux pilotes s'envolaient pour Bilbao, Santander, Bordeaux ou Paris. Le premier établissement de bains est édifié par la ville en 1884. Les baigneurs ont à leur disposition 75 cabines, un large assortiment de costumes de bain et un guide baigneur qui veille sur eux personnellement. En 1928, naissait le grand établissement de bains de la Chambre d'Amour, qui dans les années 30 attirait une foule cosmopolite.
J'ai pour moi les vents, les astres et la mer, affirme la devise de Biarritz. Cet ancien petit port de pêcheurs, devenu au fil des siècles une grande station balnéaire de renommée internationale. Le village perdu dans la lande était à l'origine constitué de deux centres de peuplement, l'un sur les hauteurs au quartier de l'église Saint-Martin et l'autre au Port-Vieux. Au Moyen-Âge et jusqu'en 1650, Biarritz n'était qu'un port baleinier. Les pêcheurs se servaient des anciennes tours du château de Ferragus sur le plateau de l'Atalaye comme tour de guet. Sitôt que l'on apercevait les cétacés, on allumait un feu dans la tour de la Humade pour prévenir les marins. Les navires étaient alors mis à l'eau et les pêcheurs ramaient jusqu'au large pour harponner l'animal, qui était ensuite remorqué jusqu'à la côte. La prospérité de cette pêche ne devait pas durer. Les cétacés finirent par quitter les côtes du golfe de Gascogne. Le premier écrit qui indique que des étrangers venaient à Biarritz pour se baigner date de 1760. À partir du 19e siècle, la saison des bains s'étendait d'août à septembre et attirait de nombreux visiteurs de la ville voisine de Bayonne, d'Aquitaine, mais également d'Angleterre et d'Espagne. Ces premiers touristes ne savent pas nager. Pas question de s'éloigner du bord. On se trempe tout habillé, en marchant dans la mer. L'engouement des bains de mer a un autre but que le simple plaisir de se tremper les pieds. C'est aussi pour des raisons médicales qu'ils sont appréciés. On les pare de toutes les vertus pour soigner infections et rhumatismes. On s'abrite du soleil sous les ombrelles, on garde son chapeau et on ne reste que peu de temps sur la plage. Dès 1838, la comtesse de Montijo et sa fille Eugénie venaient en vacances chaque année pour profiter du climat tempéré. Devenue impératrice des Français, elle décida son époux Napoléon III à l'accompagner à Biarritz. L'empereur, enthousiasmé par cette première visite, fit construire dès l'année suivante la Villa Eugénie. La cour s'installait à Biarritz de juillet à octobre pour 14 années, de 1855 à 1868. Veuve, ayant perdu son fils, Eugénie vendra le domaine le 6 novembre 1881. Les nouveaux propriétaires décidèrent de transformer la villa en hôtel, sous le nom de Palais Biarritz. Dans la nuit du 1er février 1903, le palais impérial fut anéanti. Le feu éclata dans les combles, attisé par un vent violent. L'incendie ravagea l'édifice en 3 heures de temps. En septembre 1903, une société constituée par Alfred Boulan, propriétaire des deux casinos, acheta les ruines de la villa et fit reconstruire l'hôtel sur ses anciennes bases. Thank you.
Au pied de la Villa Eugénie, la grande plage s'appelait à l'origine la Côte des Fous, ou également la Côte du Moulin, par allusion au proche moulin de Blaye. Ce fut ensuite la plage de l'impératrice, jusqu'à l'abdication de Napoléon III en 1870. Devant les dangers de la mer, le développement du trafic maritime et surtout des bains de mer, les marins biarrois, devenus avec l'âge retraités, décidèrent de fonder en 1836 les premières sociétés de guides de baigneurs et de sociétés de sauvetage. Joseph Fourquet, dit Carcabueno, deviendra le plus fameux des guides de baigneurs, sauvant de nombreuses vies. En 1887, on ne comptait pas moins de 48 guides de baigneurs pour la ville. Malgré le faisceau du phare construit entre 1831 et 1834 sur le plateau du Cap Saint-Martin, le littoral biarrois a été témoin au fil des temps de drames marins. De nombreux navires se sont déchiquetés sur les rochers à peine immergés. Au milieu du 19e siècle, là où se dresse l'actuel casino municipal, la ville ouvrit le premier établissement de bains, avec une architecture de style mauresque, les bains Napoléon. En 1893, afin de concurrencer le monopole du casino Bellevue sur les jeux, la municipalité décida de remplacer l'établissement de bains, devenu vétuste, par de nouvelles installations, complétées d'un casino municipal ouvert en 1901. Après la chute de l'Empire, l'engouement pour la ville va non seulement se poursuivre, mais s'accélérer. La vie mondaine va connaître un faste sans pareil. Soirées de gala, dîners somptueux, fêtes galantes, spectacles prodigieux vont donner à Biarritz un renom international. Le 26 août 1903, entre la place Bellevue et la Grande Plage, était inauguré un tapis roulant, dit rampe mobile, qui pouvait assurer le transport de 3000 usagers à l'heure. Seul tapis roulant en plein air en Europe, c'était une curiosité et une véritable innovation, qui cessa de fonctionner en 1918. À l'emplacement du futur casino Bellevue, il n'y avait au XVIIIe siècle que des terres labourables. Thank you.
La Rec de Fouriau, devenue Place Neuve, se nomme depuis la fin du 19e siècle Place Sainte-Eugénie. Comme Notre-Dame de la Pitié au Port-Vieux était exiguë et vétuste, la municipalité décida en 1853 de construire une nouvelle chapelle. La première messe fut célébrée le 31 août 1856, dans l'édifice romano-byzantin, couronné par le clocher d'Émile Buswildwald, offert par Napoléon III. Très vite, la nouvelle chapelle dédiée à Sainte-Eugénie s'avéra trop petite. Les offices avaient beau se succéder de demi-heure en demi-heure, une partie de l'assistance attendait à chaque fois sur la place. Il y eut controverse entre les partisans de l'élargissement de la chapelle et ceux qui se prononçaient pour sa démolition. D'autres refusaient le site trop proche de l'océan, trop loin du centre. Les adeptes de la démolition finirent par l'emporter. Le choix se porta sur le style Renaissance. Elle fut ouverte au public le 15 août 1899. En 1927, une souscription pour le clocher de l'église fut lancée. Celui-ci devait se terminer par une flèche, mais faute d'argent, le projet fut abandonné. Ce fut à partir de 1781 que le vieux port, la plage du Port-Vieux actuel, ne fut plus utilisé pour s'installer de l'autre côté du plateau de l'Atalaye, au pied de la place Sainte-Eugénie. Les premières installations étaient sommaires, puis Napoléon III le réaménagea tel qu'il est actuellement, avec sa succession de bassins clos par des molles. Le port était réservé aux pêcheurs, qui s'y installaient à titre gracieux. En échange, ils devaient céder une part de leur prise pour pourvoir à l'entretien des lieux. Il y avait 3 vapeurs, 32 barques, soit au total 262 hommes d'équipage. Chaque pêcheur avait sa baraque de pêche, ou crampotte. Les vendeuses de poissons se bousculaient pour remplir leurs paniers et partir au plus vite, rameutant les clients de leur voix stridente. Certaines allaient jusqu'à Bayonne au pas de course, la corbeille sur la tête. Le port des pêcheurs servait aussi à la baignade des chevaux, où la cale aux chevaux leur était réservée. Les bateaux promenades, au nombre de 2 en 1906, faisaient le tour des plages pour 1,50 francs par personne. La tour dite improprement la Humade, de son vrai nom la Haillée, les marins retenus à terre par l'âge y montaient la garde. Lorsqu'ils prévoyaient que le retour au port serait trop dangereux, ils y enflammaient des faisceaux de paille humide. La fumée noire avertissait les pêcheurs qui mettaient alors le cap sur Guétari ou Sokoa. Elle a été rasée par les Allemands en 1943. «
Au pied du plateau de la Talaye, face au rocher de la Vierge, le musée de la mer avec son architecture art déco a été inauguré en 1935. En 1863, Napoléon III décida l'aménagement de l'important port de refuge au large du plateau de la Talaye pour les bateaux de commerce. Les ingénieurs de l'époque avaient prévu la construction d'une longue digue de 340 mètres, partant du rocher de Cucurlon, actuel rocher de la Vierge. Afin de permettre l'acheminement des blocs de fondation, on lança une passerelle en bois, on creusa le tunnel de la Talaye, puis celui de Cucurlon. Ces importants travaux furent cependant retardés par des tempêtes, réduisant à néant les efforts accomplis. À la chute de Napoléon III en 1870, ces travaux furent arrêtés. En 1881, l'actuelle passerelle métallique remplaça celle du chantier. Le grand projet qui ne vit jamais le jour a finalement permis de rendre accessible ce belvédère qui devint un des lieux de promenade incontournable de Biarritz. La statue de la Vierge, achetée lors de l'exposition franco-espagnole de Bayonne de 1865, a donné son nom au site. Le port vieux connut très tôt la faveur des baigneurs. Pierre Moussampès, maître charpentier, adressait en février 1784 au lieutenant général de l'amirauté à Bayonne une requête. Il souhaitait placer au port vieux des loges ou guérites pour les étrangers qui cherchaient à se déshabiller. Mais la communauté de Biarritz s'opposa au projet. Devant l'affluence, la mère Albiran eut l'idée, comme Moussampès avant elle, de planter une toile de tente grise sur le sable. Elle en eut pour 10 écus. Dès la première année, cette installation sommaire lui en rapporta plus de 1000. L'idée était lancée. Entre le port vieux et la côte des Basques, la Villa Belsa est construite en 1882, sur le terrain appelé le Champ du Rossignol. Sa situation insolite sur le rocher, sa proximité avec le Trou du Diable, son nom de Belsa signifiant noir en basque, en ont fait pendant des décennies l'antre du mystère, alimentant les légendes les plus folles de sorcellerie ou de revenants. En 1923, la propriétaire, Madame Dufresnay, loua la maison à Grégoire Beliankine, beau-frère d'Igor Stravinsky. Il reconvertit la villa en restaurant russe, mais ne pouvant utiliser le nom de Belsa, il l'appela le Château Basque. Des dîners de gala somptueux s'y déroulèrent. Les Basques prirent l'habitude de venir se baigner ici, sur la plage de la côte des Basques, le dimanche suivant la fête de l'Assomption. Ils pensaient se préserver ainsi des maladies. Cette coutume a donné le nom au site. En 1865, une voie carrossable permit l'accès depuis le port vieux.
que situé sur la commune de Bidart, on ne peut ne pas évoquer le château du baron de l'Épée, construit au sommet de la colline de Handia. Il fut construit entre 1895 et 1897 par Gustave Hugenheim pour le baron Albert de l'Épée, héritier des fonderies de Vandel en Lorraine, afin d'abriter le plus grand orgue jamais conçu pour un particulier. Le château était relié par un réseau de chemins couverts de 4 km de long, qui sillonnait la colline en tous sens, permettant ainsi au baron de se promener dans le domaine à l'abri des intempéries. Et puis soudain, sur un coup de tête, le baron vendit l'ensemble du domaine d'Ilbaritz. En 1864, les voyageurs ne sont plus obligés de descendre du train à Bayonne, mais peuvent continuer jusqu'à la nouvelle gare de Biarritz, aménagée dans le quartier de la Négresse. Mais au début du XXe siècle, les 3 km séparant la Négresse et le centre-ville étaient un lourd handicap pour une station aussi moderne que Biarritz. Ce ne fut qu'en 1911 que fut inaugurée la gare du Midi en plein centre-ville. En peu de temps, Biarritz est devenue une ville où les petites maisons côtoient des hôtels monumentaux. On comptait 366 maisons en 1851. On recense 4764 en 1872. Cette fièvre de construction se signale par un mélange étonnant de styles. Chacun fait bâtir sa villa en fonction de ses goûts personnels. Les édifices religieux ne sont pas oubliés. Une église anglicane est achevée en 1876, une église orthodoxe en 1892, une synagogue en 1904, l'église Saint-Charles est terminée en 1908. La foi semble faire bon ménage avec l'argent. On ne compte pas moins de 7 établissements bancaires, des commerces de luxe, des magasins modernes, comme Biarritz Bonheur, créé en 1894. Les moyens de transport se modernisent. La ligne de tramway reliant Bayonne à Biarritz transporte 555 000 voyageurs pour la seule année 1878. La Compagnie du Midi décide alors la construction d'une gare sur la place de la Liberté. L'inauguration eut lieu en 1890. Le développement de la clientèle au XIXe siècle se traduisit également par l'apparition d'une saison hivernale. Du fait du climat très tempéré de la côte basque, le thermalisme est à la mode. En 1893, les thermes salins, construits sur l'ancien domaine impérial, ouvrent leurs portes. 20 km de canalisation souterraine y apportent depuis Briscousse une eau 11 fois plus salée que celle de l'Atlantique. L'architecture hispano-mauresque cadre bien avec la Belle Époque, qui épouse tous les genres artistiques. La seconde moitié du XIXe siècle fut marquée par l'essor spectaculaire des villégiatures ou séjours balnéaires. Des villes, des plages, des stations de montagne se développèrent partout en France, afin de satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse et plus exigeante. Biarritz faisait partie de cet art de vivre. Outre la douceur du climat, l'endroit offre un cadre majestueux de rochers et de récifs sur lesquels se brise l'océan. Les plages sont de sable fin et sans galets.
Sacha Guitry pourra affirmer « On se prend à hésiter entre deux plages. L'une d'entre elles est toujours Biarritz ».